Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est pas juste pour nous, c'est pour tout le monde, dans le fond. Venez nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. Chers amis, on est ce lundi qui se poursuit. 9 décembre 2019, 16h55, avec une histoire des plus étranges. On a souvent de ces manifestations dans le ciel, hein, de ces nuages bizarres, de ces contrails ou chemtrails, c'est selon. Et il y a eu une encore manifestation récemment, c'est au Colorado cette fois-là. Vendredi, un mystérieux nuage circulaire est apparu au-dessus du Colorado, d'Aspen à Leadville. Et maintenant, les météorologues officiels disent qu'il ne s'agissait que d'une traînée d'un avion, hein, une traînée circulaire. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le cas, nous questionne? Strange Sound, on peut voir l'image, la photo qui a été prise de vendredi de cet anneau circulaire. Hein, on pulvérise des produits chimiques sur le Colorado peut-être? C'est ce qu'on semble alléguer. Selon des responsables, il n'y avait rien de mystique dans cet anneau vu au-dessus de l'ouest du Colorado sur l'imagerie satellite. On peut voir ici sur l'imagerie satellite, on voit très bien le phénomène circulaire. Apparemment, c'est rien que du contrail, c'est-à-dire de la fumée d'avion. Par exemple, dans ce cas-ci, apparemment, un avion de ligne qui peut-être survolait l'aéroport pour être certain que la route ou la piste était ouverte, ou c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est ce qu'on donne comme explication officielle. Les météorologues officiels ont déclaré qu'il ne s'agissait que d'une traînée de cirrus de forme circulaire formée lorsqu'un avion, par exemple le Delta Flight 442, volant de Fort Lauderdale à Salt Lake City, a survolé le Grand Mesa en route vers l'Utah. Le chemtrail était circulaire dans le ciel au-dessus du Colorado. Cependant, la raison de la boucle est toujours un mystère, mais les avions tournent en boucle pour voir si l'aéroport de destination est occupé. Moi, ça m'est jamais arrivé. On a pris l'avion souvent, mais en tout cas. Le chemtrail circulaire a été vu d'Aspen à Leadville. Oui, bien sûr, un avion fera également une boucle pour projeter des chemtrails toxiques dans le ciel sur nos têtes et nos villes. Donc, je veux y aller porter Fatima avec Tu veux y aller aussi? Non. Donc, c'est ça que ça donne. Je voulais vous partager ça. Parce que c'est un autre exemple de ce qui peut peut-être arriver une fois de temps à autre. Hein? Plus souvent qu'on le pense, ça vous arrive, ça m'arrive, on regarde dans le ciel. Et moi, souvent, je peux voir tout à coup une série de jets qui sont à haute altitude et ça part. Puis là, tu vois ces traînées-là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment toxique? Je ne sais pas. Moi, je ne me sens pas malade. Je ne me sens pas différent de ce que j'ai toujours été. Mais est-ce qu'on fait ça pour géo-ingénérer la... Le climat, ça semble être la méthode de HAARP. Mais enfin, on ne le saura jamais. Ce n'est pas eux autres qui vont venir nous le dire. Ce n'est pas eux autres qui vont nous expliquer ce qu'ils font. Ça, il faut vraiment être conscient de ça. Tout se fait dans le secret, en cachette, mais ils ne peuvent pas se cacher de le faire parce que c'est dans le ciel. Comme on ne peut pas cacher un ovni de se promener pour venir visiter un président pour une réunion secrète ou un homme d'affaires ou quiconque. On ne peut pas nous cacher ça non plus, mais on ne nous dira jamais. Mais oui, c'est exactement ça qu'on faisait.